Bachar el-Assad regrette la destruction de l'avion turc. C'est ce qu'affirme le président syrien dans une interview à un quotidien turc. Bachar el-Assad dit avoir appris que l'appareil appartenait à Ankara après l'avoir abattu. Il croyait auparavant qu'il s'agissait d'un avion israélien. Il rejette les accusations de la Turquie selon lesquelles la défense syrienne a intentionnellement détruit ce F-4. Bachar el-Assad précise également que la Syrie fera tout pour éviter que les tensions avec la Turquie ne débouchent sur une guerre ouverte. Depuis cet incident, les relations se sont fortement détériorées entre les deux voisins et Ankara a même positionné des renforts à sa frontière avec la Syrie. Le régime de Damas, qui poursuit la répression de la révolte avec des bombardements, notamment hier sur Homs. Les violences ont fait près de 80 morts hier dans tout le pays et plus de 16 500 depuis le début de la contestation à la mi-mars 2011.